Salut à tous, c'est Léo sur lecafédugeek.fr et aujourd'hui on se retrouve pour un comparatif entre la Sandbox 150 de SoundVision et la Sandbox 100. Alors nous avons déjà testé il y a quelques temps la Sandbox 100 et donc nous allons aujourd'hui la comparer avec sa grande sœur, la 150. Alors on va tout de suite d'abord voir la différence de contenu qu'il y a dans les deux boîtes. Alors dans la première, on va d'abord retrouver l'enceinte. Ça, petit tour. Attendiez tous. Et voilà. Donc vous pouvez voir à peu près la différence de design entre les deux. Nous allons dans les deux retrouver un petit bouquin. Exactement le même en plus. Non, pas exactement le même, mais quasiment. Dans la 150, nous allons retrouver un chargeur secteur. Et dans la 100, nous allons retrouver un câble USB de recharge. Dans le modèle 100, nous allons retrouver la petite pochette de transport que nous n'avons pas dans le modèle 150. Nous allons dans tous les deux retrouver un câble jack. Au niveau du design, les deux se ressemblent énormément. Nous avons tous deux deux blocs en plastique noir. Bon, il existe d'autres couleurs. Avec les différents traits que nous avons l'habitude de retrouver sur ce modèle, qui sont un peu caractéristiques de la Sandbox. Il s'agit du même matériau, donc du plastique assez agréable au toucher, hein, vraiment lisse et colle un petit peu un peu collant, qui salit un peu trop facilement, je trouve. Vous pouvez voir sur le dessus de celle-là qui est vraiment assez sale à force de l'utiliser. Donc ici nous avons un cube, donc avec toujours les quatre patins en dessus, caisson de basse, les enceintes devant, voilà, et quelques petits boutons dessus. Pareil pour la modèle 100, donc on retrouve le caisson de basse dessous, les 4 patins, 2-3 boutons, etc. Alors ce qui va le plus se différencier sur le design, c'est déjà elle est beaucoup plus grosse, la 150, comme vous pouvez le voir. Elle a une sangle de transport, c'est très pratique vu qu'elle n'a pas de pochette de transport et qu'elle rentre moins facilement dans une poche. Il faut le dire, celle-là rentre dans les poches des shorts que vous pouvez avoir l'été avec les grosses poches sur le côté, vous savez. Elle rentre dedans. C'est assez drôle de se balader avec, mais ça rentre dedans, donc ça rentrera aussi dans un sac, que celle-là ne rentrera pas forcément dans votre sac à dos. Ou même dans votre sac à main, si vous décidez de vous balader avec ça quand même, un kilo quand même, c'est pas léger. En parlant du poids, c'est une des bonnes différences entre les deux, donc nous avons la 150 qui va peser 1,9 kg, donc elle est quand même plutôt lourde, c'est pour ça que la 100 est assez intéressante, contre le modèle 100 qui lui pèse bien moins, seulement 1,1 kg. Donc c'est une petite différence, enfin une petite, c'est quand même le double presque. En même temps, ils font pas la même taille. Si au niveau des caractéristiques, les deux sont semblables, tant qu'on ne s'approche pas du son, une première petite différence reste l'autonomie. Celle-ci va avoir une autonomie de 6 à 10 heures et celle-là une autonomie de 6 à 8 heures. On peut se demander pourquoi. Vu qu'elle est beaucoup plus grosse, bah, il s'avère que la batterie est quand même de la même taille. Ce qui est assez intriguant. Donc celle-là, on a une batterie de 2000 mAh avec une sortie de 7,4 volts, puisqu'elle va consommer beaucoup plus. Hein, les enceintes sont beaucoup plus grosses. Alors que la plus petite a une batterie de 2200 mAh avec, mAh, pas mAh, avec une sortie de 3,7 volts, ce qu'elle consomme beaucoup moins. Donc au final, à peu près la même batterie est quand même moins autonome la grosse. Donc on la préconiserait plus pour des sorties pour une soirée. Parce que le son est quand même beaucoup plus puissant et c'est alors en nomade un peu tout le temps, vous la rechargez de temps en temps et puis vous ne l'utilisez pas pendant super longtemps d'affilée. Donc les fonctionnalités sont à peu près équivalentes. Donc nous retrouvons sur toutes les deux. Hop là. Une entrée micro SD, hein, 32 Go maximum, une entrée auxiliaire. Un bouton on-off et une entrée pour la recharger avec toujours la petite LED qui vous indique si elle est allumée ou pas, et par-dessus on retrouve exactement les mêmes boutons mais pas au même endroit, donc pause, suivant, précédent, volume plus moins, une partie NFC pour poser votre téléphone s'il est compatible, un bouton pair, un bouton input et un bouton décrocher si elle est branchée en Bluetooth et qu'on vous appelle sur votre téléphone. Donc ce n'est vraiment pas là-dessus que les deux vont se différencier, ça va vraiment se différencier sur le son. En effet, on peut voir, vous voyez sûrement pas, mais celle-ci possède deux enceintes.
Donc deux médiums Twitter. Et ici, nous avons deux médiums et deux petits Twitter. Ainsi que dessous, nous n'aurons pas du tout le même volume de basse. Là, vous pouvez voir la taille de l'engin, alors qu'ici, c'est beaucoup plus petit. Donc, si on parle au niveau caractéristiques techniques, au niveau du son, voyons voir. Nous avons, c'est ça, nous avons exactement sur celle-là deux petits tweeters de 1,5 watts et deux subwoofers de 2 watts. Alors, ici, nous avons seulement deux tweeters de 4 watts. Donc, ce n'est pas vraiment la même chose. Et ensuite, nous avons du 2.1 et du 2.0. Sinon, au niveau de la connexion, c'est exactement la même chose. Donc, on va tout de suite passer à un test de différenciation. Donc, vous venez de voir qu'il y avait une différence au niveau du type et du nombre de haut-parleurs sur ces deux enceintes. Donc, pour faire un comparatif audio tout simple, nous allons nous mettre sur Spotify, nous allons prendre la deuxième du top mondial, et on va voir quelle est la différence de son. Donc, on commence par la Soundbox 100, que vous connaissez déjà via le test. Je précise que les deux sont mis sur le même volume sonore, donc je l'ai mis au minimum et j'ai appuyé 4 fois sur plus sur les deux, et je ne changerai pas le volume sonore de l'ordinateur. Donc maintenant on remet la musique sur l'autre. Donc nous avons ici un son beaucoup plus clair, beaucoup plus prononcé, avec beaucoup plus de basse, qui sont vraiment meilleurs sur tous les points. On retrouve plus de présence des aigus, des médiums et même des graves. Et je vous propose de mettre un peu plus de musique et on va comparer en changeant rapidement les deux. Donc vous pouvez voir qu'au niveau qualité sonore, la Soundbox 150 est vraiment meilleure, devant de meilleures définitions au niveau des voix, au niveau de tout en fait. Hein. Le fait d'avoir deux subwoofers en plus apporte vraiment une qualité sonore vraiment incroyable. On pourrait même dire que celle-ci est une mauvaise qualité à côté, mais bon, quand on compare avec le son d'un ordi, on préfère quand même le son de la SB100, le fait qu'il y a des basses au bout. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour le comparatif audio parce que je ne peux pas vous montrer plus en vidéo, il faudrait vraiment les essayer pour le voir, mais vous pouvez vraiment voir que la qualité sonore est vraiment meilleure sur la SB150. Petite chose par contre, je ne sais pas si vous entendez, mais elle fait beaucoup de bruit quand elle n'est pas active, ce qui est assez dérangeant. Je vais la mettre à côté. C'est des enceintes, c'est des haut-parleurs quand ils ne sont pas utilisés, c'est assez dérangeant, mais bon, il suffit de mettre de la musique et on n'entend plus du tout ce bruit. Quant au prix, on les trouve tous les deux sur internet, à un peu près équivalent. Là, BS100, donc la petite, on va la trouver de 62,22 € à jusqu'à, je ne comprends pas pourquoi, 103 €. J'arrive pas à comprendre pourquoi on trouve à ces deux prix différents sur Amazon. Et sinon, la BS150, on la trouve à 89 € en général. Donc elle coûte à peu près le même prix, à une vingtaine d'euros de différence en fonction de là où vous l'achetez. Donc si vous devez choisir entre les deux, je dirais la BS150 pour un usage chez soi ou chez des amis, pas vraiment moins nomade, mais c'est quand vous voulez du son de très bonne qualité. Alors que la 100, je
vous conseille plus de l'acheter si vous voulez avoir votre enceinte facilement avec vous, la transporter sans trop de difficultés et avoir du son vraiment de bonne qualité, mais facilement et de manière autonome. Donc voilà, ce sera en fonction de vos besoins, parce qu'au niveau du prix, ça change vraiment pas. C'était donc le comparatif entre deux enceintes de Soundvision, la Soundbox 100 et la Soundbox 150. Vous trouverez quelques infos supplémentaires dans la description.